Lyon va recruter Laurent Blanc. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler de Lyon, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, actuellement, Lyon est dernier du championnat. Lyon est dernier du championnat, 18e, bon dernier de la classe, avec 3 points. C'est le pire bilan de l'histoire du club en championnat, en début de championnat. Et on a déjà joué les un tiers du championnat. Les un tiers, donc ce n'est plus vraiment le début de championnat, ce n'est plus vraiment le début et tout. On est déjà en octobre, les amis. Octobre, tu es dernier championnat avec 3 points. C'était très inquiétant pour Lyon, très inquiétant. C'est pour ça qu'à la fin du match, même les supporters ont dit, ça sent la relégation. Ça sent la relégation et à juste titre. Lorsque tu vois ton équipe avoir 3 points en 9 journées, je pense, franchement, c'est inquiétant. 3 points. Lyon n'a toujours pas gagné cette saison. C'est très inquiétant. Lyon n'a toujours pas gagné, les amis. C'est très inquiétant. Donc, John Textor nous dit qu'il va recruter pendant le mercato hivernal. Franchement, quel joueur de qualité voudrait venir à Lyon pendant le mercato hivernal? Venir, je le maintiens. Donc, sa communication est un peu maladroite. Lyon se fait balader par Clermont. Lyon joue à domicile. Hein. J'ai l'image du premier but là où le jeu de Clermont se balade dans la défense de Lyon. Franchement, ce Lyon-là, c'est vraiment très inquiétant. Ils ont viré Laurent Blanc. Laurent Blanc, qui avait déjà vu le problème venir, mais il a soufflé ça à ses dirigeants. On s'est foutu de sa gueule. On s'est foutu de sa gueule, on l'a viré comme un malpropre. Aujourd'hui, le karma est en train de rattraper Lyon. Lorsque tu fais les choses mal, à un moment donné, tu le payes cash. Je répète, lorsque tu fais des choses mal dans la vie, à un moment donné, tu le payes cash. Tu le payes cash. Tu payes tes erreurs. Tu payes tes erreurs. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.